Finalement, vint la belle saison. La nature frémissait, impatiente, et aux effluves du printemps se mêlèrent celles du plâtre chaud et du travail de l'homme. Quand enfin les bourgeons se décidèrent à éclore, l'atelier, comme eux, entama sa métamorphose. Sa respiration se suspendit un instant, il était temps de changer de peau. On posa les outils quotidiens pour en saisir de nouveaux, on déplaça le plein pour y mettre du vide et on se mit à l'œuvre. Cela ne dura que quelques jours et le labeur succédant toujours à la récréation, la trêve s'acheva. L'atelier avait éclos. Ces nouvelles feuilles n'attendaient plus qu'une chose, se gorger de l'énergie renouvelée du printemps et grandir toujours un peu plus, rapprocher leurs cimes du soleil, s'emplir de sève et alors seulement, on se serait souffle le temps d'une saison. Est-ce que nous avons des clous, monsieur Thomas ? Il y en a de l'autre côté. C'est un original. Avec l'étiquette derrière. C'est une étiquette d'époque. Comment est-il ? Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il est un peu tordu. Un peu trop dans ce sens ? Oui. Moi aussi, mais... Ah, waouh! Quoi? Moi, je pense qu'il faut dans le sens. Mais non. Là, ça m'a l'air droit. Bah, quoique, encore un peu. Waouh, je dirais l'inverse. Je trouve que si vous regardez par rapport au plafond, il est comme ça. Si vous regardez par rapport à la table, il est comme ça. Faut qu'on veut pas faire confiance à cette pièce. On parle d'un immobile, mais si tout est de travers et qu'on met le tableau droit. Bah, le plafond, j'espère que le plafond n'est pas de travers. J'ai l'impression que le plafond est pas très droit. Ah, il est pas... Du coup, il est tordu. C'est qui disait ? C'est moi qui avais raison. Non. Mais non, c'est moi qui avais raison. Moi, je disais comme ça. Monsieur Mohamed, j'ai jamais tort. Je vous assure que c'est moi qui avais raison depuis le début. Bah, vous avez raison parce que vous avez changé d'avis. Mais j'avais raison, je me suis même rendu compte que vous étiez biaisé parce que le plafond était tordu. C'est vous, monsieur Thomas, qui êtes tordu. Même le sol n'est pas très plat. Tout est un peu penché comme ça. Bah non, c'est l'inverse. Penché comme ça. Mais non, mais... Si la bulle vient par là, c'est que le sol... Oh putain, j'ai pas de cerveau. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, monsieur Thomas. Quel enfer, j'ai pas de cerveau.